Salut, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On est dans la deuxième partie du vélo Carrefour. Je vous rappelle, j'ai acheté ce vélo là à Carrefour 111 €. Il a résisté d'un saut de 2 mètres de haut et bien d'autres sauts. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir après. L'idée, ça va être de couper avec cette meuleuse. Alors ne faites pas ça chez vous hein, les gars. On va couper un maximum de tubes, le guidon, peut-être une partie de la fourche, peut-être un bout de tube. Et on verra combien de tubes on va pouvoir couper avant que le vélo casse en deux. Ça vous va? Oui. Allez, c'est parti. Oh yeah. Oui. Super. Oh là, super. Champion. Oh, double. Voilà. Hop. Il tient le coup par rapport à la dernière fois ou pas? En vrai, franchement bien. Un peu de jeu. Mais là, ce qui est cool, c'est que dans le skatepark, on va trouver plein de murs. Petits murs à sauter, des trucs comme ça. T'en profites un petit peu, comme ça tu feras la différence. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire genre, ce serait cool, je fais des tricks maintenant. Et après, faut que je les retente avec des pièces coupées. Carrément. En vrai, faut pas trop que je m'emballe parce que... Bah, fais pas les trucs... On va commencer à avoir plus trop de pièces. Ouais, faut pas faire des trucs trop compliqués non plus parce que le vélo après... Vas-y, impose-moi des trucs maintenant. Bah là, tiens, la petite table. La petite table là. Yep. Oh, le slide. Oh, shit. Attends, mais... Voilà, voilà un vrai slide. Oh. Oh, l'artiste. Bon, pas mal. Sale, un slide, mais j'ai réussi. Quoi d'autre? Bon, alors, je propose du coup la table. Ouais. Pas le slide. Non, pas le slide. Non, c'est merdique. T'es un petit joueur, Aurel. Un petit joueur. Ok, ok, on pourrait essayer. C'est juste que je le maîtrise pas trop, du coup. Moi, je verrais bien saut de, soit des deux là. Ouais, des deux marches. Genre là, quand on aura plus trop de tubes, ça va déjà être pas mal. Moyen de tuer un vélo là. Et le gros là. Ok. Tu te souviens, dans la première vidéo, j'avais fait un peu de trial. Tu penses que je peux monter le mur là? Avec le BMX? Ouais, oui, oui. Ouais, je pense que oui. Hauteur 10 ans. Tranquille. Yep, coup, tu l'as monté. Bah, il reste plus que la descente. Bon, pour l'instant ça passe, mais est-ce que ça va passer avec le vélo cassé? Enfin coupé. On commence à couper. Bon bah allez. Il est tellement lourd à mon avis que les tubes ils doivent être tellement épais. Ça va lui faire du bien. Je pense qu'on va pouvoir enlever. En vrai, ça va être mieux ça se trouve. Vas-y, je te propose. Guidon? Vas-y. En vrai je pense que ça tient. Premier ouais, guidon. Et ensuite. Après on attaquera, on verra en avis. Faut partir pour la chirurgie là tu dis? Ouais, par contre faut pas que je coupe mes durites. Ça y est, on arrive. Nice. Encore un petit bout là. Bon, déjà, ça a l'air quand même compliqué à couper. Hein. C'est... Ouais, t'as vu comment c'est épais? Ouais, c'est quand épais, même hein. Hyper épais de ouf. Ouais, il y a de l'épaisseur. Hein. Tu connais Jean-Claude Van Damme? Ouais, t'es costaud. Je pensais. Ok, ça c'est fait. Meilleure visibilité. Fais gaffe, c'est chaud peut-être. Tu crois que c'est chaud? Non, ouais, ça va là. Ah! Fais gaffe, tu te fais mal là. Ouais, c'est chaud. Hop là! 100 grammes, je pense. Honnêtement, 100 grammes. Easy. Patate chaude, patate chaude. T'attrapes? Non. Tiens. On perd en rigidité. Eh, va falloir faire gaffe. Hein, on quand perd même. Un petit peu en rigidité. Tu le vois, le guidon va falloir quand même un petit faire peu. Je pense pas qu'il casse, mais il va plier un peu. On part sur quoi? Faut pas forcément faire du gros saut. Ouais, 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 ouais. Ouh. En vrai, je le sens plier, mais ça va. C'est presque mieux que tellement je me prends des chocs dans les poignets, ça m'amortit un petit peu là. Là, petite marche. J'en profite, vu que je sais pas encore rentrer un bar spin avec mon trial et que là j'ai un beau système. J'essaye de t'en rentrer un ou deux, vu que je sais pas les faire, je pense pas les rentrer, mais j'essaye. Non, moi ça me fait un peu peur. Fais gaffe à ça quand même, hein, que ça te coupe pas. Ouais. Voilà. On essaye le saut ou pas? Ah, le saut, oui, c'est vrai. Le saut, et pendant ce temps-là, tu trouves une pièce à couper, ok? Vas-y, ça marche, je réfléchis. J'ai déraillé, mais attends, t'inquiète. C'est pas un problème. C'est quoi, la roue elle a bougé, non? Ouais, elle a bougé quand j'ai fait le virage là-bas. Là. Voilà, ça repart. Déjà la selle, elle me paraît méga lourde là. On va gagner un peu de poids sur le vélo. On va le transformer en trial, à couper la selle. Vas-y, en vrai, ça peut être pas mal. Hein. Vas-y, on coupe. Allez, let's go. Je vais épargner la lumière, tu la veux quand même ou... Je coupe ça, comme ça j'ai tout le bloc qui tombe. Vas-y. Bien. Donc à savoir, si vous voulez un trial, appelez Aurélien Fontenoy. Voilà. En vrai, on va faire un trial là. Ouh. Voilà, faut pas tomber dessus hein. Je vais peut-être quand même le recouper, non? Alors là, je pense que je finis avec une maladie. Non, pense-le un petit peu.
Voilà. Voilà, ça commence déjà à ressembler à un trial. Je m'excuse auprès de tous les parents là qui vont m'envoyer des messages, me dire voilà, mon gamin va vouloir faire ça. Ne faites surtout pas ça chez vous, les gars. C'est débile, je sais. C'est pour la science. Je teste l'efficacité au maximum. Là, on commence à gagner du poids. Tu vois, genre le tail whip, Fujam whip de tout à l'heure. First try. Allez. Ah, d'accord. Ça, c'est, il va facile. C'était ça en fait, c'était la selle qui. C'était là-dessus. Vas-y. Bon, easy. Genre 360 avec le frein là. Du petit module là. Yep. Bon, tu sens une différence ou pas? Non, bah, honnêtement, la selle ça change rien. À part que j'ai peur de me couper avec ça. On attend quoi là? On attend un autre truc. On coupe autre chose? Tu veux faire quoi? Un truc tranquille. Bah, je te propose, vu qu'on a fait la selle, on peut essayer cette partie là. La partie là au milieu là? De selle. Ok. Là, on risque de perdre peut-être en rigidité du boîtier. Ouais, je pense c'est pas mal, non? Comme ça, tu vois un peu s'il est plus souple ou pas. C'est parti. Le premier, c'est bon. Alors, attention, il me reste encore celui-là à couper. Et voilà. Ça fait peur, hein? Hop là. Commence à avoir de la gueule là, non? Paul, il pense que ça va casser maintenant. Allez, go l'essayer. Le saut de la mort. Tu penses que là, s'il saute le mur, tu crois qu'il le casse ou pas? Eh. Non, ça a pas l'air de bouger, hein? Ça a pas bougé, hein? Allez. Eh, moi c'est le guidon qui me fait peur, hein. Ouais, je tiens à le dire. Le pire c'est le guidon pour l'instant. Le guidon me fait peur. Ah, j'avais même pas vu que vous avez coupé ouais. Droite ou gauche? Ici, là comme ouais. Ça on fait, tac tac. Yes. Tu me gardes le frein quand même. Je suis sûr que tu peux le transformer en trottinette sans qu'il casse. Ça bouge pas, hein. Ouais, légèrement mais... Moi pas tellement, hein. En vrai on va pouvoir couper, hein, je pense. On fait un tour de bol dedans. Eh, ça part sur un coupage. Faut se dépêcher sur le rouge, rouge de la batterie là. Ok, vas-y, on fait déjà celui-là. Point, 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 point. Plus de batterie? On va aller chercher la scie, hein. Pas le choix. Voilà, champion. Et demain. Hop, hop, hop. Hop. Oui. On teste ça. On y retourne. Let's go. Ce qui m'intrigue, c'est le frein maintenant. Est-ce que ça va pas s'écarter? Non, en vrai, c'est tellement rigide. Un peu, mais ça va. Franchement. Ok, vas-y, fais va un petit tour. Des sauts un peu ou pas? Vas-y, on va essayer des sauts. Hein. Ouais, ça bouge. Ouais. Non, en vrai, je commence à le sentir là. Je commence à faire un amorto là. Un petit peu, ça gigote. Vas-y, c'est un petit truc là-bas là. Sur les trois escaliers là-bas. Ah, je teste. Ouf. Commence à être sur un tube qui était important là. Alors ça commence à bouger, mais je trouve mais que ça bouge pas énormément pour le. Pour un tube en moins quoi. Bah en gros c'est comme si on avait condamné ouais quasiment tout ça quoi. Vas-y mais appuie un petit peu là, mets de la pression. Ouais si. Ouais si quand même. Et là on. Ah de ouf. Là ça commence à bouger là. Tu le vois là même par rapport au patin le truc qui. Est... Ouais, là on commence à être chaud là. Commence à être flexible. Qu'est-ce qu'on enlève d'autre? Ah je suis curieux là. Pas l'arrière. Allez, cette fois c'est à toi de décider quel morceau tu veux enlever. Je sais qu'on va finir par enlever toute cette partie là. Allez on transforme ça en trottinette. Donc faut que je coupe ici. Là. Et là. Et là. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ah bah je vais perdre le frein arrière. C'est pas grave au pire. Que le frein arrière. Un vrai BMX, y'a pas de frein. Tu vois le saut là-bas là. Ouais. Et de sauter déjà. Voir si ça tient quand même. Ça tient quand même. Ouf, j'entends du craquer. C'est presque mieux parce que du coup ça. Les pouces. Ça, ouais, c'est souple et ça tortille, c'est pas mal. Bon, bah allez, c'est parti. Là, c'est pas pour la rigolade. Bon, bah il est franco, hein. Qui pense que ça va tenir? Tu penses? Voilà, voilà. Voilà. Et bah, tu sais quoi, j'ai l'impression que ça va plus vite qu'à la meuleuse. Ouais, limite, ouais. Allez, demain. Oh. Bon, là, forcément, ça tient. Ouais, ça a un peu. Ouais, par contre, tu sens le petit. Ouf. Ok, déjà ça a pas l'air bien costaud. Hein. Ou fais gaffe pour elle. Nique pas tout de suite le vélo. Pas parce... de risque. Attends, j'ai l'impression que ça l'a réellement tordu là. Non. Non, non, regarde. Ça manque légèrement de rigidité à ce moment-là. Mais... On s'attaque à celui-là. Est-ce que ça va changer en vrai vu qu'on a coupé là? Ah, c'est peut-être tenu par là vite fait. À ras, de toute façon, à la soudure quoi. Là. Comme dans du beurre. Attention, ça va tomber. Tu es presque, tu es presque. Ça y est. Ouais, ouais. Ben voilà. Au top. On a bon. C'est bon, on a une trottinette. Attends, regarde. Attends, j'ai une idée. Regarde. On pourrait presque remettre
la selle ici. Et là, on dirait les vélos pour enfants. On dirait un vélo de ville. Non, on dirait les vélos pour enfants. Allez, on l'a pas modifié, nous, le vélo. Bon, amortisseur intégré. Pas mal du tout. Et confort, hein. Mais pas trop de pression. Ouais. T'emballes pas trop quand même. Bon, du coup, j'ai perdu le frein arrière. Hein. Pas grave, il te reste le frein avant quand même. Mais vas-y, hein, fais un petit tour. Pas pire, hein. Premier test avec la selle. C'est comme si on avait un amortisseur intégré. Hein. Ça flexe un peu, mais descente là pour commencer. On va y aller, moulot. Un peu flex. Ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Full jam whip. Vas-y. Vas-y, je te regarde. Et fais gaffe sur la récep. Hein. Ouais. Ouah, le truc, j'appuie, il a fait un. C'est parti tout de suite. Ouais, c'est différent, non? En vrai, j'ai peur d'appuyer dessus, j'ai peur de le casser direct. Ça me ferait mal de le casser en deux. Bah, après, c'est vrai que tu lui mets de la pression, hein. Ah, il y a un truc là. J'ai l'impression d'avoir mon trial, tu sais, il n'y a rien en bas là. Allez, c'est l'objectif. Avant qu'il meure, un full jam whip. Tu étais presque. Oh non! Non! Oh non! 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 Pourquoi? Où c'est qu'il a cassé? Oh, j'ai le démon! Waouh! Oh bah, ça a déraillé carrément. Bon, bah, d'accord. Attends, viens, attends, je l'enlève carrément. Cette fois-ci, quitte à ce qu'il soit cassé, là, à fond. Là, ça devient un monocycle. Oh. Là, c'est carrément un monocycle. Bon, la vidéo n'est pas terminée, les gars. On peut continuer. Je pense que c'est possible. Terminé. On va quand même compter les pièces qu'on a coupées. Attends, on s'en sort quand même pas mal. J'aurais pensé qu'il casserait avant moi. Entre le saut de 2 mètres qu'on a fait dans l'autre vidéo et ça. Il a bien tenu, mais tu vois, après il a cassé vite. Mais c'est normal. Ouais, bah, t'as vu ce qu'il restait? Par contre, c'est assez fin quand même ces tubes là. Ouais, c'est pour ça. Là, il restait pas grand chose. Hein. En vrai, il y aurait eu l'épaisseur qu'il y avait en haut. Le guidon, une pièce. Le tube de sel, 2, 3. Les bases arrière, on a coupé un petit bout. Le cadre, 4. 4 pièces. 5 pièces quoi en tout. J'espère que vous avez aimé ce petit concept. Si vous êtes chaud, on essayera sur le vélo d'enduro à 8000 euros de Noé qui a filmé cette vidéo là. Pas vraiment. Mettez un maximum. Non, c'est pas... Tu veux pas? Pourquoi? J'ai pas de vélo, 8000 euros. Ah ouais? Mince. On n'essayera pas alors. Dommage. Voilà, pensez au pouce bleu. La semaine prochaine, il y a la nouvelle vidéo. Donc pensez à vous abonner. Et d'ici là, bah, Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Ciao les gars. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur aurelienfontenoy.fr. À la semaine prochaine. Ciao.